Salut les amis, c'est Okayo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en survivance sur Identity. Parce qu'en même temps, c'est pas comme si je faisais beaucoup d'autres jeux. Mais bon, je pense que vous avez vu quel survivant j'avais. C'est un survivant avec lequel on ne va pas avoir grand chose. Ce qui est dramatique quand même. Donc on a la petite Mind avec son skin qu'on pouvait choisir dans l'événement. Enfin, c'est pour ceux qui jouent au jeu ou qui suivent un peu l'actualité du jeu. Vous savez qu'ils ont fait un crossover. Je vois pas le tueur par contre. C'est une sandwich. Je sais pas quoi. Ouais, bah j'ai pas vu le tueur. Ah non, ah bah oui, non, c'est une geisha. Qu'est-ce que je raconte? C'est une geisha, elle avait les modes visite. Bon, où j'en étais moi dans mon explication? Oui, ils ont fait une collaboration avec un animé, si je ne me trompe pas. Et du coup, ça, c'est un skin qu'on peut avoir gratuitement dans le jeu. Enfin, gratuitement, bon, faut jouer quoi. Mais... Bon après il y avait Forward the Mind. De base si le skin sur Forward était un peu mieux fait, je pense que j'aurais pris Forward, mais en même temps, Forward c'est pas un survivant que j'aime bien jouer et puis c'est la petite Mind. Je pouvais pas passer à côté d'un skin sur elle. En plus il est beau le skin. J'aime bien. Ah après ça elle est morte. Ah non elle vient focus. Non c'est bon. Je n'ai rien dit. Ah, elle va venir sur moi là. Bah évidemment. Go sur mamie. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Elle l'a tapé gratuitement comme ça. Ok, bon, on va me faire des emotes, écoute. Oui, bah non, ça marche pas comme ça. Hein. Ok, ça va, ils vont tous aller à la face. Bon, mes papillons, ils disparaissent. Et on va faire la machine là-bas. Oh, troisième machine de fête. Magnifique. Bon, après c'est une game Mind-Eyes, on peut pas faire grand chose d'autre que décoder, mais bon. Et il y a eu un petit moment d'action quand même. Le petit moment de LSC de mettre un coup. Ça c'était. J'espère que vous avez été époustouflés parce que c'est le seul moment où je me ferai chasser par tueur. À moins que d'un coup les deux autres se prennent un renfort qui meurt. La prêtresse elle est morte je crois. Oui, elle est morte. Effectivement. Ouf. Et alors la petite guichard elle est là-bas. On a une barmaid qui est à l'étage du bâtiment. Et je ne sais quoi. Et tu as du coup le cerf qui se fait chasser. Et du coup la petite mamie qui a sa machine. Bon, après, je l'appelle mamie, mais c'est pas du tout une vieille. Ah, c'est un petit son effectif. Ouf. Allez, c'est parti. Poum, 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 poum. Il y a un tueur ici, franchement. On va aller à l'étage. Ça me paraît le plus intelligent. Au revoir, mamie. Au revoir, barmaid. Ah, la machine est là, ici. C'est pas grave, mieux vaut faire de ma chaîne, plus je fais une mine, donc ça ira vite. Bah oui, évidemment. Ça c'était sûr, madame. Graffiti. Oh non. Pouf, pouf, pouf. Oh, 50% film, magnifique. Je suis ravi. Par contre, il faudrait que le ciel vienne en fait. Ah bah voilà, bon j'y vais. Let's go. Ah la cave en plus. Oh là, t'as pas fait les choses à moitié toi. Oh bah c'était pété. Ça va, je viens de la sauver. C'est moi que je me mange en train. Oh le papillon il a dit soupir. J'arrive. Balmaid. Pourquoi avoir mis un papillon, c'est pour ça, tant s'en évoluer.
Ouf. Cours, barmaid, vie. On va esquiver le papillon, on est trop fort. Aïe, dans ta tête. Bon, ouais. Il y a une petite teinte pause. Par contre, la barmaid s'est refait choper entre temps. Hein. Le seigneur, je sais pas où il est. Poum, 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 poum. Ça s'annonce roussi quand même pour cette partie. Enfin, ça sent roussi du coup. Parce que là, le cire. Va se faire niquer, je pense. À moins qu'il ait encore une chouette sur lui, mais. Oh non, il a réussi à gérer. Cette machine à CTP? CTP là-bas? Enfin, je sens plus mon cœur, donc essentiellement oui, CTP là-bas. Plus CTP. Ah bah oui, il y a là. What the fuck? Oh pardon. Je redescends. Ah mon associé. Oh merde. Ah bah oui. La barmaid elle a fait sa potion. Mais il est mort le sort, non? Peut-être pas. Oh j'en sais rien. C'est le problème c'est qu'elle va me direct dessus la geisha. Bah oui. Là c'est le cas du coup, il n'y a que la barmaid qui peut. Let's go! Tous les deux sur la machine! C'est parti! Venez! Bon, ok. Si tu veux, monsieur Sire, si tu veux. Du coup, elle a plus son TP, par contre, vu qu'elle a ses papillons, elle va tuer la barmaid. Ou elle est contente. Allez, vite! C'est bon. Coup de bâton. Et on s'échappe à deux. Bon, bah c'est magnifique ça, une petite draw. C'est bien une draw. Moi j'aime bien les draws. Ça fait des bons. Oh, en plus, je vais bientôt passer en level. C'est magnifique. Ah, aussi avec ce magnifique fond d'écran, j'ai envie de dire. Temps de chargement. Écran de chargement. Ça marche aussi. Bon, on va directement se retrouver dans une deuxième petite partie, pour peut-être essayer de faire mieux, ou peut-être pour perdre. Mais bon, on se retrouve dans la prochaine partie, à tout de suite. Ok, nous revoilà en game. Je dois avouer que j'avais totalement oublié que j'aurais dû relancer la vidéo. Heureusement que je me suis souvenu. Bon, du coup, on est avec le petit prospecteur et son skin... Ok. Son skin Call of Abyss, de la saison dernière, je crois. J'ai pas fait attention à si on pouvait encore les avoir, mais je suppose que non. Et c'est vraiment la toute dernière sphère que j'ai ouverte de la précédente saison. Et bah, je suis assez content. Hein. Dernière sphère de la saison et un skin, c'est pas mal. Bon, après le prospecteur, c'est clairement pas le tueur ou le survivant que j'aurais préféré avoir, mais bon. Après, avec prêtresse, barmaid, acrobate et prospecteur et gamekeeper, bon. C'est déjà pas mal que j'ai le survivant. Je dois t'avouer que bon. J'aurais eu Skinless, j'aurais été un peu dégoûté. Alors c'est bien Skinless, mais sur Gamekeeper, bon. C'est un bon tueur, je dis pas, mais. Mais j'aime pas le jouer. Et je l'ai même pas acheté. En attendant, moi j'attends pour le prochain survivant. Chronologiquement, c'est le bâtard qui est le dernier survivant à être sorti. Ah, donc c'est probablement un tueur qui sortira. Zut. Bon, je verrai s'il me plaît ou pas. En attendant, vous l'avez sûrement remarqué pendant que je papotais avec moi-même, c'est un Wusheng qui a tué une enchantresse. D'ailleurs, on a un forward et une barmaid dans l'équipe.
Oh, il a stun. Quel incroyable. Oh, il a stun pas assez longtemps. Bon. Je vais dans ma machine. Hein. Lui, par contre, il est pas content. Hein. Il a pas un sourire aux lèvres comme Captain Mine. L'enchant trace qui retombe, on va essayer d'aller faire quelque chose pour elle. Bon, d'abord, on finit la machine. Machine first. Et teammate après. Les machines, c'est plus important. Si on fait pas les machines, on meurt. Enfin, on peut pas ouvrir la porte et du coup, on meurt. Si on sauve les alliés, on peut les sauver. Mais ils meurent au bout d'un moment. C'est ça qui est terrible. Allez, forward. Donc, tous les deux sur le coup. Enfin, nickel, monsieur. Et dash. Non. Trop long. Oui. Hey, j'ai plus d'aimants, ne me focus pas, non. Mais wesh. Ah oui, on est content, on met un graffiti. Hein. Bon, c'est pas grave, l'enchantresse à la vie sauve au moins, c'est le plus important. J'aurais peut-être dû rester sur une machine, moi, au final. Bon, la petite enchantresse a été soignée. On a la... Ah, j'ai cru que la barre mail avait déjà plus d'objets, mais non, c'était juste l'enchantresse. Oh non, elle a rendu fou, la barre mail. Je crois. Ok, à manger mon aimant, j'ai entendu. Bonjour, madame. Ouch. Tigouju. Moi j'aimerais bien être soigné si c'est possible une fois que mon taille sera parti. Oh mais non. Ah non, ok, tu peux te voir. On s'en fout de voir. Si. Ah oui, on s'en fout. Allez, forward. Forward. On la sous. Voilà. Tu me laisses au soigner. En plus, c'était moche. Mais c'est pas grave. Je veux des points dont je te soigne. Ah, il y a le petit Fabien. Magnifique. Maintenant, tu me soignes, moi. Oui. Non, mais sérieusement, regardez-moi ça. Il est moche. En plus, il y a un graffiti qui vole. On est où? On est où, là? Le mien, il s'est coupé la tête, mais c'est pas grave. La barmaid. Bon, bah, écoute. T'es quoi? Viens ici, toi. Viens, ce petit loup. Non, c'était une diversion. J'y retourne. Ah! On mange un mur. Eh oui, hein, tu veux te taper, hein. Tu veux te taper à ton parapluie, hein. C'est pas mieux. Ah, mais ceci n'était pas baisé. Oh, c'est quoi cette blague? Oh, mais c'est quoi cette blague? On s'est vu, il était à fond. Désolé, monsieur, mais votre coup ne passait pas. Ou alors si... Enfin, oui et non. Oh, j'en ai marre de raison. Ne cherchons pas une logique à ce jeu. Ah bah, je suis encore ici, tiens. Ah, depuis le début de la partie, il ne fait qu'utiliser les deux mêmes chaises. Hein. Par contre, Forward, t'avais tout le temps d'aller sauver. Hein. Bah, je sais pas ce que t'as foutu, mais tu l'as fait. Allez, viens, on va se soigner. Encore une fois, dans la cabane. Non? Derrière les bottes de foin. Derrière le moulin, carrément. Ah, c'est mon tour de te toucher les dos. On va forward. Au revoir. Barmaid mort. Forward mort aussi. Que de tristesse en ce bas monde, dis donc. Allez, soigne-moi maintenant. Oh.
Il va mourir sur la chaise où j'étais. C'est resté quand même. On l'a vu s'envoler. En tournicotis, tournicotons. Voilà, je suis soigné. Faut être discret maintenant. Il y a un monsieur qui rôde. Il a un parapluie. C'est terrible un parapluie. Ah ah, Piper. Il avait Piper, j'étais même pas au courant qu'il avait Piper. Envoie un mail la prochaine fois. Mais... s'en fout, c'est tueur quand même. Oh bah t'as raté toi. Que faites-vous? Vous avez raté. Mais non, j'avais changé ma polarité. Je suis pas content maintenant. Regardez, je me prends un coup maintenant. Oh non, j'appuie avant. Oh, j'appuie avant sur le bouton, monsieur. Bon, allez, vas-y, va te TP sur l'enchantresse. C'est tout. Ouais, c'est ce que tu vas faire, non? Bah oui, évidemment. Oh. Oh là là. Enfin, j'ai même pas envie de me relever. Bon, je vais vous passer ce moment parce que, bon, de toute façon, c'est très bien comment ça va se finir. Là. Dans ce genre de situation, il faut se laisser mourir. Ce que n'a pas fait l'enchanteresse. Ce qui a duré longtemps. Ouais, j'ai dû attendre, moi, pendant ce temps, sérieusement. J'ai attendu pendant très longtemps. Je trouve ça terriblement honteux. Mais bon, en tout cas, je l'avais dit, de toute façon, soit on faisait mieux, soit on faisait pire. On a fait pire. Mais bon. En tout cas, j'espère que ces deux petites parties en survivant vous auront plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!